souvent les gens connaissent le Stabat Mater Dolorosa, mais on ne connaît pas le Stabat Mater Speciosa. Et en fait, au Moyen-Âge, il y avait non pas un poème, mais deux poèmes. Et le deuxième, le Stabat Mater Speciosa, racontait le bonheur de Marie au pied de la crèche. Et c'était en fait le même poème, avec simplement les mots-clés qui changeaient pour faire changer le sens. En découvrant ce deuxième texte il y a quelques années, je me suis demandé mais pourquoi le bonheur n'a pas inspiré les compositeurs ? Et cette mesure-là, on fait ta-da-di-da-da, c'est fervent justement. Voix de Strauss a passé commande à Lionel Ginoux pour cette œuvre, un Stabat Mater Speciosa. Et cette pièce sur le bonheur de la maternité sera la pièce la plus importante du programme Féminité Sacrée. Encore une fois, ce passage-là, s'il vous plaît. 25.